Dénouement heureux à la Cour internationale de justice de la Haye. Après le verdict rendu par la Cour, le Burkina Faso obtient 786 km² contre 277 km² pour le Niger. Et puis le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales s'intéresse au secteur minier. Avec le boom minier, la structure a organisé une conférence sur les enjeux du secteur dans l'optique du développement du Burkina Faso. Et puis, autre secteur d'enjeu, le secteur des légumes. Nécessaire dans l'alimentation, la production des légumes se fait parfois avec l'utilisation des eaux usées et des pesticides. Quelles conséquences pour la santé? Un dossier de ce journal fait la lumière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Voici le grand journal de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, la Cour internationale de justice a rendu le mardi 16 avril dernier son arrêt définitif dans le différend frontalier qui opposait le Burkina Faso et le Niger. 277 km² pour le Niger contre 786 pour le Burkina Faso, ce sont les superficies respectives qui reviennent aux deux pays. C'est tout naturellement que le Burkina Faso accueille cette décision avec satisfaction. Reportage de Wendata Nathalie Kaoré. Le litige frontalier entre le Burkina Faso et le Niger qui vient d'être réglé porte sur un tronçon d'environ 300 km. C'est suite à un nouveau désaccord sur le compromis que les deux États avaient signé que le dossier a été référé à la Cour internationale de justice. C'est surtout le Niger qui a dénoncé l'accord. Quand ils sont repartis, quelque temps après, ils ont appelé le saisi le Burkina pour dire que le ministre qui a signé ce compromis-là n'était pas compétent. Le 16 avril dernier, la Cour a tranché sur cette affaire. Le Burkina Faso s'en sort avec un tronçon dont la superficie est d'environ 2/3 de la zone objet de litige. Le gain qu'on peut attribuer au Burkina, c'est cette partie que vous voyez ici, qui fait à peu près 786 km². Et qu'en sera-t-il des populations des deux pays installées sur cette zone ? Selon l'IGB, après l'implantation des bornes, un travail de sensibilisation sera fait de part et d'autre sur leurs droits et leurs devoirs. Leur droit, c'est quoi? Ils ont le droit de garder leur nationalité d'origine. Ils ont aussi le droit de rester sur leur terroir. Parce que c'est leur terroir à eux. La frontière, elle est administrative. Aujourd'hui, la frontière, ce n'est pas pour séparer les populations. Cependant, ceux qui veulent aussi peuvent changer de nationalité, à condition de comprendre que leur devoir, c'est de s'adresser à l'autorité qui administre désormais la zone. Les deux pays s'étant engagés à respecter la décision de la Cour, il n'est pas à craindre une détérioration de leurs relations. D'ailleurs, quand on a fini, mes collègues de l'Institut géographique sont venus nous féliciter. Les membres du gouvernement qui étaient là sont allés se congratuler également et se sont félicités d'avoir enfin un arrêt qui permette donc d'aborder la frontière. Après le Niger, c'est le Bénin que le Burkina devra affronter devant la Cour internationale de justice pour régler le différend frontalier qui porte sur une superficie de 70 km² dans la localité de Kwalou, à l'est du Burkina Faso et au nord-ouest du Bénin. La directrice du pluralisme et du suivi des programmes des médias au Conseil supérieur de la communication du Niger séjourne depuis lundi dernier au Burkina Faso dans le cadre de la coopération entre son institution et celle du Burkina Faso. Marie-Rose William était vendredi dernier dans les locaux de la télévision nationale du Burkina. Elle livre le bilan de ses travaux. Elle est au micro de Tanga Kafando. Vu le succès du Burkina Faso dans le cadre de la régulation, nous avons voulu venir apprendre avec eux à mieux réguler, mieux rédiger les rapports de monitoring et mieux acquérir leur expérience. Et bon, on a eu un programme très riche avec eux et les échanges ont été très enrichissants. Nous avons voulu nous appréhender de la réalité. C'est pour ça qu'on a tenu à visiter quelques médias du Burkina Faso. Ce qui est frappant, c'est que ça soit au Conseil supérieur de la communication qu'à la télévision du Burkina, nos réalités se rapprochent un peu. On aurait l'impression d'être dans le même pays.
Et puis le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a entrepris depuis le 18 avril dernier une tournée dans les régions du sud-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades. Objectif, informer et sensibiliser sur le système d'assurance maladie universelle et la généralisation des mutuelles de santé au Burkina Faso. Reportage de Salinana. Amener les populations du sud-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades à mieux comprendre l'importance d'une assurance maladie universelle pour tous. C'est tout l'intérêt de ces concertations régionales avec les différentes composantes de la vie sociale de ces trois régions. La mise en place d'un système d'assurance maladie universelle repose au souci du gouvernement d'offrir à chaque Burkinabé un minimum de soins de santé et de protection sociale. Pour réussir donc ce pari et afin d'impliquer toutes les couches sociales, le département de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale mise sur l'information et la sensibilisation des populations. Toute la population burkinabé pourra bénéficier de ce système-là par une simple carte d'assurance qui va être remise à chaque burkinabé à l'issue d'une procédure qu'on va appeler procédure d'identification et d'immatriculation. Dans les régions du sud-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades, le projet a été présenté aux responsables des collectivités locales. Il s'est aussi agi de recueillir leurs avis, préoccupations et recommandations avant la finalisation et la mise en œuvre du projet. Ce projet qui vient de nous être présenté est un projet qui était attendu par les populations. Je pense qu'avec une bonne stratégie de communication, une bonne mobilisation sociale, nous pourrons en tout cas réussir cela. Si nous arrivons à mettre en place ces mutuelles-là, nous allons régler une bonne fois pour toutes cette question de précarité, cette question d'accès aux soins pour les personnes. Les recommandations et suggestions permettront de finaliser les textes, ce qui devrait aboutir dès cette année même à l'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle au Burkina. Partout, des recommandations ont été formulées pour que le système à mettre en place soit un système efficace, un système viable, un système au service de tous les citoyens. Au stade actuel, nous avons noté toutes ces préoccupations, ces recommandations. Le moment venu, un bilan en sera fait avant que le projet ne soit finalisé et soumis au gouvernement puis à l'Assemblée nationale. Nous l'espérons pour cette année. Il ressort de ces concertations régionales qu'en 2014, des expériences pilotes avec des travailleurs de l'économie informelle vont démarrer pour progressivement aboutir à une couverture totale de la population d'ici à 2025. Le ministre de la fonction publique a mis son séjour à profit pour visiter les directions régionales de son département. Vincent Zakané a voulu s'enquérir des conditions de travail des 73 agents des directions régionales de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale du sud-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades. Après des félicitations, il les a encouragés à redoubler d'efforts pour une fonction publique plus dynamique qui répond aux attentes de ses administrés. L'association des ressortissants du centre-ouest a initié une audience foraine médicale gratuite à Léo dans la Sicile ce samedi 20 avril. Il s'agissait en fait de permettre aux populations de cette localité de se faire consulter et si besoin en était de se faire prendre en charge. C'est donc naturellement qu'elles sont sorties nombreuses pour l'occasion. Reportage de Frédéric Étienne Bassenga. Aouba Napon s'est réveillé très tôt ce matin pour être en bonne position. Aujourd'hui, c'est consultation gratuite dans le district sanitaire de Léo, dans la Sicilie. Se faire consulter gratuitement et se faire prendre en charge si besoin était, c'est une occasion rare dans cette localité. Prise de poids et de tension, elle est par la suite consultée en gynécologie et en cardiologie. Vraiment très satisfaite. Très satisfaite parce que déjà, ces aides n'arrivent pas dans toutes les villes. Et c'est vraiment une grande joie pour la population de Léo et particulièrement nous les femmes. Vous voyez vous-même ce que nous vivons ce matin, je suis comblé de joie, tout simplement merci. L'initiative est de l'association des ressortissants du centre-ouest. Première du genre, elle espère réitérer cette action en faveur des couches vulnérables. Je crois que nous sommes en train de créer une chaîne de solidarité envers toutes les populations du centre-ouest et du Burkina Faso en général.
Satisfaction également du côté du corps médical qui a profité de l'occasion pour poser un problème qui lui tenait à cœur, la panne de son autoclave. L'autoclave est un appareil qui sert à stériliser le matériel chirurgical. Vraiment, cette initiative, c'est vraiment à louer. C'est vraiment de les remercier pour les soutiens qu'ils nous ont apportés ce matin. Mais nous profitons pour poser en fait, des doléances par rapport au centre médical avec antenne chirurgicale. En effet, on a notre autoclave qui est en panne depuis 3 mois. Des tentatives de recherche de solutions ont été entamées au niveau district et au niveau DRS. Mais à la date d'aujourd'hui, le problème persiste et engendre des troubles dans le fonctionnement du bloc opératoire. Donc, vraiment, si l'association peut porter notre voix plus loin, ça sera vraiment salutaire pour nous. En entendant que l'association porte sa voix encore plus loin, les patients du CSPS de Léo ont reçu un don composé de matelas, de médicaments et de tensiomètres, le tout d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Le jeudi 18 avril, à Ouagadougou a eu lieu une conférence de presse pour la présentation du manuel de capitalisation des initiatives régionales de suivi et d'influence des politiques, élaboré par l'ONG Diakonia et le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques. Ce manuel se veut un outil de contrôle de l'action gouvernementale par la société civile. Reportage de Kadi Ouattara et de Tanga Kafandou. Ce manuel contient une somme d'initiatives de suivi et d'influence des politiques publiques par la société civile dans nos régions. En plus de la documentation sur les expériences porteuses de résultats, il vise la mise en évidence de la plus-value des politiques publiques dans la promotion des droits humains et les changements sociaux. L'apport du manuel, c'est d'abord de porter à la connaissance des acteurs de la gouvernance et des citoyens que nous sommes appelés à défendre, que des actions sont menées. C'est vrai que les OSC qui interviennent agissent sur des publics sectorialisé ou géographiquement localisé. Là, il sera disponible pour tout le monde de savoir qu'une action se mène de façon transversale pour la protection des droits humains à travers diverses stratégies. Il faut que le citoyen soit au centre des décisions et que le droit des citoyens et des citoyennes soit respecté en tout temps. Et pour faire cela, les décideurs politiques ont besoin parfois d'être, bien qu'ils aient ça, bien sûr ils le portent, c'est leur mandat, c'est leur mission, ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre par la société civile. Le manuel de capitalisation des initiatives régionales de suivi de l'influence des politiques publiques par la société civile est élaboré par l'ONG Diakonia en partenariat avec le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques et l'appui de l'Agence suédoise pour le développement international, ASDI. La contribution du secteur minier au développement socio-économique du Burkina, c'est le thème d'une conférence publique organisée ce matin par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Cette conférence vise à permettre au public d'échanger sur les enjeux du secteur minier au Burkina Faso. Le reportage est de Maïmouna Traoré. Avec 8 mines en exploitation, le Burkina Faso se classe au 3e rang des producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest après le Mali et le Ghana. Un classement qui pourrait évoluer grâce au potentiel minier disponible et à ses politiques favorables. Mais quelle est la contribution du secteur minier au développement du Burkina Faso? Comment se fait la répartition des richesses générées par les sites aurifères? Avant cette conférence publique, beaucoup dans cette salle se posaient ces questions. Les réponses, ils les ont eues au cours de ces communications. L'étude qui a été commandée par la Chambre des mines montre qu'il y a deux phases. La première phase qui est celle où l'investisseur récupère ce qu'on appelle sa mise de fonds. Dans cette phase-là, cette étude démontre que 52% des bénéfices vont aux investisseurs et 48% à l'État. Mais cette phase ne dure que 4 ans. Et pour la période suivante, qui peut aller jusqu'à 10 ans, la répartition est en faveur de l'État, donc avec 70% pour l'État et à peu près 30% pour l'investisseur. Selon toujours Aboubakar Sidikou, la part contributive du secteur minier au cours de l'exercice budgétaire précédent était de l'ordre de 190 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les multiples emplois créés et le développement des secteurs connexes. Dès qu'une mine est créée, dès qu'une mine voit le jour,
l'État a automatiquement 10% du projet minier parce que le sous-sol appartient à l'État burkinabé. Donc ces 10%-là donnent droit à l'État à des dividendes. Cette conférence publique a permis aux participants de mieux comprendre le contexte dans lequel se fait l'exploitation minière, les ressources générées, leur répartition, le contenu et les dispositions du code minier en rapport avec la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Toujours dans le même domaine, les sites d'or à exploitation artisanale sont en floraison depuis un certain temps au Burkina. Un dénombrement dans la région du sud-ouest fait état de 84 sites d'or, dont une trentaine dans la province du Pony. Situation devenue préoccupante pour les autorités et les populations locales, plus particulièrement les producteurs agricoles, aujourd'hui inquiets de leur activité. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations que la délégation du Sud-Ouest compte poser sur la table d'échange à Banfora, ville hôte de la 16e édition de la Journée nationale du paysan. L'impact de l'or paillard sur l'agriculture, dossier signé Draman Dadia. L'environnement est sous la menace de l'orpaillage, une activité qui prend de l'ampleur au sud-ouest. Environ 84 sites d'exploitation artisanale d'or sont répertoriés dans la région. Avec seulement 9 permis d'exploitation reconnus dans la province du Pony, on enregistre cependant plus d'une vingtaine de sites clandestins. Une situation bien préoccupante. Si les autorités compétentes peuvent vraiment nous aider, c'est-à-dire à organiser cet orpaillage-là, parce que l'anarchiquement, ça ne peut pas vraiment résoudre le problème. Mais si c'était quand même industriel, je pense que ça peut résoudre un peu le problème, aider même les habitants même des différentes localités, que de laisser les gens exploiter comme ils veulent. On se dit qu'au niveau de la province du Pony ici, pratiquement à toutes les rencontres, c'est une problématique qui revient. C'est-à-dire que la population se demande, avec ce phénomène-là, quelle sera la situation de l'environnement les années à venir. Effectivement, il faut qu'on le dise clairement, c'est-à-dire que l'orpaillage est effectivement un fléau. Un fléau qui inquiète. Entre déforestation et pollution de la nature, l'activité agricole en pâtit lourdement. Des champs vite transformés en sites pour un filon d'or, le sentiment d'insécurité grandit chez nombre de producteurs. Donc, c'était le 24 décembre 2011 que j'ai retrouvé ce tas-là dans mon champ ici. Donc, j'ai essayé de savoir comment et qui les a autorisés à déposer ce tas de cailloux. Ils disent qu'ils sont venus de loin, ils sont venus pour exploiter. J'ai dit, bon, pour le moment, ce n'est pas possible. C'est mon champ, ils ne m'ont pas vu. Bon, on ne s'est pas entendu, ils ne peuvent pas en tout cas faire le travail ici. Ils m'ont fait savoir qu'ils ont les papiers qui les autorisent à faire le travail, parce que c'est le Burkina. Et pour la suite de l'affaire, selon lui, l'administration locale aurait intervenu, mais il dit retrouver le sourire qu'après la fermeture en 2011 du site d'or de Gongombili, son village. Au moment où ils exploitaient ici, c'était un grand marché. Un grand marché où il y avait du tout. Les gens venaient vendre le dolo ici, les gens venaient vendre les ports ici, les ports d'avion bouillis, tout ça. Les jeunes venaient faire, comme on le dit, c'est les yards, quoi. Cette époque est révolue. Et pour la plupart des sites d'or abandonnés, le constat reste le même. Du fait de l'orpaillage, il faut se dire que cet espace est récupéré à ses fins. Après le passage des orpailleurs, c'est des sites qu'on ne peut plus, en tout cas, avoir de bons rendements sur ces sites. Donc ça, c'est un premier impact. Et deuxième impact, même quels que soient les aménagements qu'on va faire pour récupérer ces terres, on ne peut plus avoir la même productivité qu'à l'état initial. Les conséquences de l'orpaillage sur l'agriculture est donc l'une des préoccupations majeures de la région, préoccupation que le porte-parole du Sud-Ouest compte poser à Banfora, ville hôte de la 16e journée nationale du paysan. Consommer des légumes, c'est bien pour la santé, mais face à l'utilisation des eaux usées et des pesticides dans le maraîchage, il a lieu de s'interroger sur notre état de santé. Pour plus de précisions, suivez ce dossier signé Karim Patrick Namouanou. Les étals des marchés sont achalandés de légumes aux couleurs attrayantes. Elles mettent l'eau à la bouche, des friands de crudité. Les médecins en recommandent pour enrichir le régime alimentaire. Mais hélas, voici les conditions dans lesquelles certains légumes sont cultivés. Des maraîchers s'échinent à la sueur de leur front, arrosent leurs légumes avec des eaux insalubres
polluées de déchets industriels et de matières fécales. Ces risques-là sont liés à la pollution des légumes qui sont arrosés par de l'eau elle-même contaminée par des déchets issus de l'activité humaine, issus aussi de l'activité de l'élevage des animaux ou issus de l'activité industrielle ou encore issus de l'activité hospitalière. Alors c'est ainsi qu'on a plusieurs sortes de risques. Alors il y a les risques liés à la contamination par des bactéries, des virus. Il y a aussi des risques liés par la contamination par des composants chimiques. Il s'agit par exemple du plomb, de l'arsenic. D'autres risques menacent les consommateurs de légumes. Il s'agit de l'utilisation de pesticides dans le maraîchage. On assiste effectivement à l'utilisation de molécules dangereuses dans le cadre de la culture justement de ces légumes. En voici l'illustration. Cette dame ignore qu'elle s'expose à des risques. Sans aucune protection et sans matériel adéquat, elle traite ainsi ses légumes dans l'optique d'éliminer les chenilles et ce, depuis de nombreuses années. L'insecticide est sans danger. Je le fais depuis 35 ans. Je n'ai jamais eu de problème car je lave mes mains avec du savon. Je traite les feuilles chaque 3 jours. Et pourtant, elle risque gros en tant qu'utilisatrice d'insecticides. Les consommateurs aussi s'exposent. Le tube digestif et l'ensemble des organes humains peuvent être affectés par la consommation de salades et de choux traités. Beaucoup d'atteintes neurologiques ont été incriminées dans la consommation de ces aliments-là. Même la maladie de Parkinson, il y a des études qui semblent établir une corrélation entre cette maladie-là, voire sa recrudescence et la consommation de pesticides. On a même des atteintes au niveau du système respiratoire, au niveau de la peau, des allergies, des démangeaisons que l'on observe chez certains producteurs. On a aussi des effets endocriniens, avec même des risques avérés sur la fertilité. On rencontre des cas d'hypofertilité chez ces agriculteurs-là, voire chez les consommateurs. Et même certains cancers peuvent connaître une certaine initiation ou une certaine promotion. D'accord ? Donc on voit que les risques sanitaires ne sont pas négligeables. Sur le marché des pesticides, on retrouve des herbicides, des fongicides et des insecticides homologués. Mais la majorité des produits chimiques n'est pas recommandée pour une utilisation dans le maraîchage. Mais la réalité est tout autre dans les sites de maraîchage. La preuve, cette boîte de pesticides du cotonnier a été utilisée pour son efficacité selon les confidences d'un maraîcher. Il y a de quoi donner des sueurs froides. Dure est la réalité, triste elle est aussi. Voilà, c'est dur effectivement, Karim Namwano, mais bon appétit tout de même. Les légumes, c'est bien pour la santé. Ceci dit, le ministre en charge de l'agriculture a lancé ce 20 avril le top de départ des journées promotionnelles des fruits et légumes du Bazega, justement. Ces journées ont pour thème contribution des fruits et légumes dans la vie socio-économique des populations du Bazega. Reportage de Claudine Bikaba. La cité de la patate douce est en passe de devenir celle des fruits et légumes. En effet, elle a emblavé 960 hectares en 2006 et elle l'est à 1500 hectares en 2012, soit environ 32 000 tonnes de production, d'où l'initiative des journées promotionnelles des fruits et légumes du Bazega qui se tient du 19 au 21 avril à Combisserie. Le top de départ a été donné par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. D'abord, il faut saluer l'initiative des producteurs et productrices du Bazega pour cette initiative heureuse d'organiser une journée promotionnelle des fruits et légumes. En effet, au regard des potentialités que nous observons au niveau de cette province, cette journée est vraiment la bienvenue. Elles ont été aussi une occasion pour ces producteurs de se réunir en groupement et d'échanger sur les difficultés liées à la production en passant par la transformation et la commercialisation. Un acte qui régit le parrain, fils de la localité.
Au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis aux meilleurs producteurs de cette commune de la province, allant de Houmanga d'une valeur de 101 350 francs CFA plus de l'engrais, à des charrettes de 204 500 francs. Ce prix est un honneur pour moi. Donc c'est la première fois qu'on vient d'organiser ce genre de compétition. Donc j'invite à tous les producteurs, qu'il en ait pour le sien, qu'ils puissent s'inscrire beaucoup. La seule femme du lot a été distinguée et l'Union des producteurs a bénéficié d'une motopompe de 1 950 000 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire dit travailler à accompagner la filière oignon pomme de terre pour réduire la pauvreté au Burkina et parvenir à la sécurité alimentaire dans notre pays. De quoi sont morts les hippopotames de la zone de chasse de Senghou? 9 individus ont été retrouvés morts et en putréfaction. Empoisonnement ou acte de braconnage, Jacques Lamissa Tarpaga a cherché à comprendre. Il n'y a pas très longtemps, vivait dans cette mare une colonie d'hippopotames de 50 à 60 membres. Mais depuis quelques jours, un malheur s'est abattu sur ces pachydermes. En une semaine, l'on dénombre 9 morts. Des cadavres d'hippopotames en putréfaction, découverts par les pisteurs de la zone de chasse du Senghou dans le Gourma et constatés par les gardes forestiers. Une mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est rendue sur les lieux pour rechercher les causes de cette perte. Quand l'animal n'est pas mort, ou bien l'animal est malade, on peut enlever le sang et puis aller analyser pour voir quelle est l'origine de la mort. Mais maintenant, on trouve que l'animal est mort depuis près de 3 à 4 jours. Ce n'est plus possible. Même les organes sont... C'est au bout de 6 heures, normalement, qu'on peut prélever des organes, même pour aller analyser. Mais du moment que ça vaut 5-6 jours, l'examen n'est plus possible. Face à cette quasi-impuissance, l'on ne peut qu'émettre des hypothèses en attendant que des analyses approfondies de l'eau et d'autres éléments viennent révéler les causes réelles de ces morts. On a essayé de voir quelle pourrait être la cause de cette mortalité. On a constaté qu'il n'y a pas de blessures sur les corps. C'est seulement des animaux qui sont morts. C'est vrai qu'ils sont dans un état de putréfaction pour certains et de début pour d'autres, mais il n'y a pas de traces. Tout porte à croire que cette mort peut être causée par soit un empoisonnement, mais qui pourrait être dû à quoi? Parce que c'est la première fois qu'on assiste à une telle scène, surtout au niveau de cette mare. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on a reçu une grosse pluie. Est-ce que c'est l'eau qui a charrié des éléments qui ont contribué à empoisonner ces animaux? On ne le sait pas parce qu'on constate qu'il n'y a pas de mort du côté du poisson, du côté des crocodiles ou du côté des oiseaux. Donc ça veut dire que la cause peut être ailleurs. Et ça, il faut qu'on le recherche. Parmi ces hippopotames trouvés morts dans le Senghou, il y a des petits, des femelles et des mâles. Pour le concessionnaire, la main de l'homme est derrière tout cela. Moi, je suis convaincu. En attendant même que le veto donne ses résultats, je suis convaincu que c'est l'action de l'homme. J'ai 30 et quelques ans de chasse et d'autres. Je suis conservateur actuellement depuis près de 20 ans. C'est la main de l'homme qui est dans cette affaire-là. En plus des analyses en laboratoire, des investigations sont en cours pour retrouver les éventuels responsables. Selon Franck-Alain Caboret, de meilleures dispositions de surveillance doivent être prises. Il faut que nous demandons qu'on nous mette l'armée ou les CRS pour nous aider pour un bout de temps, comme ce qui a été fait à Pama. Parce que à l'allure où nous allons, je ne suis pas sûr que nous-mêmes nous puissions tenir. Au-delà de la surveillance, la mare aux hippopotames du Senghou a besoin d'un aménagement. L'eau se retire dès la fin des pluies et les survivants qui pleurent la mort de leurs compères sont à l'étroit. On sait que chaque année, au niveau de cette mare, l'eau diminue beaucoup. Bon, ce qui entraîne bien sûr un déplacement de pas mal de spécimens de ces animaux vers d'autres mares pas très loin. Mais il faut qu'on essaie par exemple d'élargir, de creuser, surcreuser pour qu'il y ait beaucoup plus d'eau en permanence sur ce site-là. Ça pourrait davantage
permettre à ces animaux d'être dans les bonnes conditions. Les restes des hippopotames ont été tractés hors de l'eau pour éviter d'éventuelles contaminations. Le reste du travail est assuré par les vautours et autres charognards qui ont déjà pris place. Voilà toute autre chose à présent. Le nouveau maire de la commune de Waïgouya a été officiellement installé ce samedi 20 avril dans ses nouvelles fonctions pour un mandat de 5 ans. Maître Gilbert Noël Ouédraogo a reçu des mains du haut commissaire de la province du Yatenga, la clé de la cité de Nabakango. C'était en présence d'une population nombreuse qui n'a pas marchandé sa mobilisation. La RTB de Nord a suivi pour nous l'événement. Le reportage signé Brice Kietga et Pelagie Sawadogo. Élu maire le 11 mars dernier par 113 conseillers de la commune de Waïgouya, Maître Gilbert Noël Ouédraogo est rentré officiellement dans ses fonctions. Issu du parti de l'éléphant, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, il place son mandat sous le quadruple signe de l'unité, la cohésion, la paix et le rassemblement. Sa mission est de renforcer la participation citoyenne à la gestion municipale à travers la transparence pour l'intérêt général des citoyens. Et pour y parvenir, il invite l'ensemble des acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la mise en œuvre des projets de développement de la commune. Nous devons rassembler toutes les filles et tous les fils de la commune de Waïgouya pour construire Waïgouya. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti qui a triomphé à Waïgouya. C'est la démocratie qui a triomphé à Waïgouya. La mairie appartient à Waïgouya, elle reste à Waïgouya et nous devons tous nous donner la main pour construire Waïgouya. Ce sont des invités venus des quatre coins du Burkina et des communes voisines pour témoigner de leur soutien aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville de la cité de Nabakango. Je voudrais donc, en tout cas au vu de la mobilisation de ce matin, lui dire donc qu'il a tous les éléments en sa possession, à lui de travailler donc, continuer à rassembler pour réussir donc. Et l'ambition qu'il s'est fixée lui-même, rassembler la paix, la cohésion. Nous voulons que le maire insiste sur l'assainissement. Waïgouya est une ville poubelle. Nous voulons que le maire insiste considérablement pour l'éco-citoyenneté, pour que la ville soit plus propre. Nous voulons que le maire axe son mandat sur la jeunesse. Ensuite, il faut valoriser la femme. C'est la solidarité, la fraternité entre d'abord les peuples, deux peuples, le peuple burkinabé et le peuple malien. Et dans le cadre du jumelage, qui est vraiment un jumelage exemplaire entre la ville de Waïgouya et la ville de Mopti. Waïgouya est une ville en construction. Ce sont de nombreux chantiers en suspens. Le député maire doit surtout se pencher sur l'assainissement et les infrastructures socio-économiques. Voilà. Nouvel arrondissement, nouveau maire, Stanislas François Ilboudo a été installé hier 20 avril, maire de l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou. Monsieur Ilboudo a été élu conseiller municipal CDP. Oumou Sissé, Abdoul Rassmane Zongo. Écharpe nouée autour de la taille, Stanislas François Ilboudo a désormais toutes les cartes en main pour diriger l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou. Élu maire le 6 mars dernier, par les 25 membres du conseil municipal, il a été officiellement installé par le haut commissaire de la province du Kadiogo. Devant une population sortie nombreuse, Stanislas François Ilboudo a promis de travailler avec l'ensemble des habitants de son arrondissement. Nous sommes un nouvel arrondissement. C'est vrai que les priorités d'abord, c'est faire en sorte que notre environnement soit un cadre de vie sain. Donc nous allons attaquer au problème donc, de l'assainissement et de voirie. Vous savez aussi que les jeunes sont très nombreux. Et le problème de chemin se pose, le problème d'emploi se pose. Donc nous allons essayer de mettre en place des programmes pour les accompagner à travers des formations, à travers des recherches de financement, et pour qu'on puisse diminuer et même attirer donc la création donc d'entreprises dans notre arrondissement. Pour mener à bien leur mission, Stanislas François Ilboudo et son conseil municipal pourront compter sur l'appui des autorités. Nous allons travailler à faire en sorte que ceux qui nous ont fait comme requête pendant la campagne, que nous essayons de voir avec le conseil régional quels sont les moyens à mettre en place pour les appuyer et comment le faire. Issu du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, Stanislas François Ilboudo est le premier maire de l'arrondissement numéro 6, issu du nouveau découpage de la ville de Ouagadougou en 12 arrondissements. Il dirigera un conseil municipal composé de trois partis politiques, le CDP, l'UPC et l'ADF-RDA.
À Diapaga, Kamfidi Kouldiati a été installé dans ses fonctions de maire ce samedi 21 avril. Membre du Congrès pour la démocratie et le progrès, M. Kouldiati entame un deuxième mandat consécutif à la tête de la commune de Diapaga. C'est Sylvestre Da. Le folklore gourmaché mis en exergue à Diapaga en l'honneur de cet homme, Kamfidini Kouldiati. En lui, les populations renouvellent leur confiance en lui confiant les clés de la ville pour un deuxième mandat consécutif. Issu des rangs du CDP, il est porté à la tête de la mairie de Diapaga le 14 mars dernier par les 51 élus locaux CDP et UPC. Au milieu des populations en liesse, avec à ses côtés son nouveau conseil municipal et en présence de ses pairs, des autorités coutumières, religieuses et politiques, Kamfidini Kouldiati déroule son programme quinquennal de développement. La poursuite des actions déjà entamées dans le cadre de l'éducation, à savoir la réalisation d'infrastructures scolaires, l'organisation de la communauté éducative autour des grands problèmes de l'éducation primaire de notre pays, également dans le domaine de la couverture en eau potable, nous allons continuer avec l'appui des partenaires à offrir l'eau potable aux différentes populations, aussi bien au niveau des secteurs de la ville de Diapaga qu'au niveau des villages rattachés. Nous avons aussi un ambitieux programme pour la jeunesse. Ce programme d'action est une continuité des chantiers entamés au premier mandat. À l'actif de ces mandats écoulés, le maire égrène de nombreuses réalisations. 14 écoles et un centre d'éducation construits et équipés, l'extension du réseau d'addiction en eau potable, la réhabilitation des routes, 75 latrines réalisées, un autogare en sont quelques-unes. Un engagement salué à la tribune par les jeunes, les femmes, les anciens et les personnalités présentes à cette cérémonie d'investiture. Beaucoup de travail a été fait et je pense que ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on travaille davantage. Du point de vue des ressources humaines, on a le potentiel. Du point de vue des possibilités et des potentialités, vous savez que la Tapoa, particulièrement Diapaga, regorge beaucoup de potentialités au niveau agricole, au niveau agro-industriel, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialités. Nous pouvons construire cette cité-là. Connu pour ses qualités de rassembleur, Kamfidini Kouldiati entend associer l'ensemble des 37 000 habitants des 6 secteurs et 18 villages et hameaux de culture de la commune aux actions concertées de développement. Des populations qu'il a appelées à faire bloc autour du nouveau conseil municipal. Une unité dans l'action pour un développement harmonieux de Diapaga. Et puis à Bia, commune rurale dans la province de la Sicile, Oumarou Nakro succède à lui-même pour les 5 ans à venir. Il a été officiellement installé hier dans ses fonctions. C'était en présence de Abdelaziz Yagibou. Bia, au matin du 20 avril 2013. Au son des flûtes et tam-tam exprimant la richesse de ses valeurs culturelles, cette commune rurale de la province de la Sicile célèbre un nouveau pas de franchi dans sa marche depuis 2006 vers une gestion décentralisée mature. Avec comme capitaine de bord le maire Oumarou Nakro se succédant à lui-même, l'aéronef de développement de la commune décolle de nouveau. Tout en puisant dans l'expérience acquise lors de son premier mandat, le maire Nakro entend miser sur l'écoute et la concertation pour apporter une thérapie efficace à sa commune. Une commune de 22 villages qui a mal à ses volets prioritaires de développement, tels l'agriculture, la santé, l'assainissement et l'eau. J'ai fait mon programme. C'est un programme ambitieux. C'est parce que je compte sur les partenaires qui disent qu'ils vont venir m'aider pour réaliser ce projet. Donc, je n'ai pas fait ça pour la politique. C'est parce que je pense que j'aurai mes moyens pour réaliser ce projet. Au-delà des avancées enregistrées les 5 dernières années, la population de Bia attend beaucoup de l'homme à qui elle a renouvelé sa confiance. Les femmes attendent de quoi mener des activités génératrices de revenus et aussi une meilleure organisation même des femmes. Il pleut beaucoup ici, nous n'avons pas de retenue d'eau. À l'installation officielle du maire de Bia, cette commune frontalière, les amis du Ghana voisin étaient les bienvenus. Ce sont les barrières qui divisent le Ghana et le Burkina. Donc, comme des voisins qui sont juste à côté, c'est de venir ici voir comment les affaires se passent. Et chaque fois qu'on a des activités chez nous, on les invite aussi pour venir. C'est donc pour promouvoir l'unité entre les deux pays. Comme pour susciter plus de dévouement aux œuvres d'intérêt commun, des certificats de reconnaissance ont été décernés à ceux qui ont apporté significativement leur pierre à la construction de la commune les 5 dernières années.
À Tangendassouri, l'on a magnifié la femme de cette localité à travers diverses activités. Une occasion pour le conseil municipal de dévoiler son programme d'activité pour soutenir l'autre moitié du ciel au cours des 5 années à venir. Commentaire signé Claudine Bikaba. Le conseil municipal de Tangendassouri a rendu hommage aux femmes de la localité au cours d'une cérémonie solennelle. Un moment qui a permis aux femmes de reconnaître les efforts déjà entrepris par les autorités locales pour leur bien-être au cours des années précédentes. Des efforts qui sont entre autres la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires, des microcrédits aux groupements féminins. Le maire Adama Zongo a invité les femmes à plus de cohésion pour gagner davantage les batailles à venir. Pour lui, le conseil municipal ne ménagera aucun effort pour toujours soutenir les femmes de Tangendassouri. Il a ensuite dévoilé le programme d'activité du conseil municipal pour les 5 années à venir à leur profit. Le maire a appelé les femmes à approfondir la réflexion sur les conditions de vie au-delà de ce cadre. Au cours de cette cérémonie, de nombreuses femmes qui ont participé aux différentes activités ont reçu des prix. Renforcer les capacités des femmes en matière de genre et de développement, relire et adopter les statuts et règlements intérieurs, ce sont entre autres les objectifs que s'est fixé l'association Femmes et Développement du Burkina Faso. Elle a ouvert ce samedi à Ouagadougou sa 3e assemblée générale en présence de Nathalie Sawatogoro Nabaloum. Les membres de l'association Femmes et Développement, AFED, affûtent leurs armes pour la cause du développement de la femme burkinabé. Au cours de cette 3e assemblée générale, elles ont invité des femmes leaders du Cameroun, du Togo et du Bénin à partager leurs expériences avec leurs sœurs du Burkina Faso. L'AFED ambitionne de créer une grande chaîne de solidarité pour le bien-être des femmes afin qu'elles puissent jouer leur partition dans le développement national. Nous aurons l'occasion au cours de cette 3e assemblée de revoir, de revisiter les textes fondamentaux et de mettre en place une nouvelle structure et surtout le plan d'action. Ça, c'est capital. Que nous puissions surtout proposer des choses réalistes et réalisables. Parce qu'il ne s'agit pas d'aligner des choses qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas arriver à exécuter. Donc nous sommes pour du concret et en voyant toutes ces compétences qui sont venues de toutes ces provinces, des compétences qui sont venues des différentes structures au niveau étatique et dans d'autres structures des ONG, nous savons que chacune va apporter sa contribution. Une initiative appréciée par le général Tiemogo Marc Garango, président d'honneur de la rencontre. Si on veut que ce soit une Burkina émergente, il faut que nous nous attachions à assurer la promotion de la femme pour qu'elle soit progressivement au niveau des organes de décision et qu'elle puisse participer plus activement au développement économique de notre pays. La marraine Minata Kone, directrice de la société de transformation industrielle de l'Anacardre dans la Comoé, a insisté sur l'importance de la femme dans le développement et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Elle a par ailleurs invité ses sœurs à redoubler d'efforts pour qu'ensemble elles puissent construire un Burkina émergent. La FED a près de 2 décennies d'existence et a à son actif plusieurs réalisations. Elle a construit entre autres un CIG, des écoles et alphabétisé plus de 30 000 femmes. Les lampions se sont éteints le week-end dernier sur le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 6e édition. Retour sur un rendez-vous musical qui s'impose de plus en plus en Côte d'Ivoire avec Kombari Evariste. Au Fumia 6, la quinzaine d'artistes musiciens invités ont enflammé les scènes d'Anoumabo et d'Abobo. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo est né à l'initiative d'Asalfo et du groupe Magic System. Dire que tout est parti d'un concert de remerciement au quartier qui les a tout donné. Ici, on a passé tout notre enfance ici. C'est ici, on a décollé donc. On revient au village pour faire la fête avec la famille. 6 ans après, le Fumia est devenu un des rendez-vous culturels phares de la Côte d'Ivoire. À Anoumabo, le Fumia a fait passer des nuits blanches à la paisible communauté cosmopolite.
Le FEMIA se veut un festival au service du développement et de la paix. C'est pourquoi, à chaque édition, artistes, musiciens et hommes politiques ont toujours appelé à la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. La troisième et dernière nuit du FEMIA s'est jouée à Abobo, un quartier qui a souffert le martyr pendant la crise. C'est un quartier aussi où le taux de pauvreté est élevé. Mais en même temps, pendant la crise, c'est une des communes qui a subi le martyr. Donc pour nous, on s'est dit, si on devait décentraliser, allons symboliquement à Bobo pour leur donner un peu de gaieté. Ici, la programmation était à 80% ivoirienne. Coupé décalé, les zouglous ont été servis au public qui en a consommé sans modération. Ce sont les quatre garçons de Magic System qui ont clos les spectacles du FEMIA 6. Rendez-vous a été pris pour le FEMIA 2014. Et puis à Salfo, le commissaire général du FEMIA accorde un point d'honneur à inviter des musiciens ouest-africains, dont des artistes burkinabés. Au micro de Évariste Kombari, à Salfo justifie son choix et nous parle de ses origines. Le musicien souhaite qu'au Burkina Faso, on ne désigne plus les burkinabés de l'extérieur sous le vocable de diaspora. Nous écoutons à Salfo, il est au micro de Évariste Kombari. On peut changer de nom, on peut changer de nationalité, mais on ne peut pas changer son ethnie. Moi, mes origines burkinabées font que j'ai une attache pour ce pays, une attache particulière pour ce pays. C'est le pays de mes parents, donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme si on demandait à Zidane s'il a une pensée pour l'Algérie. Donc pour moi, c'est à peu près ça. Et aujourd'hui, j'ai envie aussi que la musique du pays de mes parents puisse avoir de l'ampleur. C'est pourquoi dans chaque FEMIA, j'ai pensé à donner la lucarne aux artistes burkinabés qui vraiment tirent leur épingle du jeu. Mais je voudrais dire particulièrement au peuple burkinabé, merci pour l'accueil qu'ils ont toujours eu pour le groupe Magic System. La preuve témoigne encore l'accueil qui nous a été réservé au dernier FESPACO. Et puis aussi, comme par enchantement ou par bénédiction, la carrière internationale de Magic System a commencé par le Burkina Faso, 1 décembre 1999. C'est le premier pays que nous avons visité. C'est le destin qu'il a voulu. Ça pouvait être ailleurs. C'était quelque chose et je voulais être l'exemple, le symbole de cette union entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, que politiquement, peut-être certains ont essayé de diviser. Mais les gens verront à ma personne qu'on fait un. Mes parents sont d'origine burkinabé, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis de nationalité ivoirienne. Et pendant la crise, s'il y a quelqu'un qui était dans un dilemme, c'était moi. Et lors d'une visite du président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, à l'époque du président Laurent Gbagbo, j'ai pris le micro et j'ai dit je voulais être le symbole de cette union entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour dire que nous faisons un. Et c'est pourquoi à chaque fois que je vais au Burkina, je vais librement, je ne me cache pas pour aller au Burkina Faso. Je n'ai jamais caché mes origines de toutes les façons. Sinon, on ne chante pas en Boré quand on cache ses origines. Et je voudrais demander à ce peuple-là de nous accompagner, de nous faciliter la tâche dans cette mission-là, parce qu'ils arrêtent d'appeler à la diaspora ou quoi. Non, on est tous pareils. Et puis la cour royale du Pau Naba, ministre de la justice du Moro Naba Bango, a abrité ce week-end le Nabaska, fête traditionnelle en pays Mossi. À l'occasion, on invoque les ancêtres pour une vie heureuse et prospère. Reportage de Abdul Rasmane Zango. Pour la 12e fois consécutive, tradition respectée à cette cérémonie traditionnelle chez le Pau Naba, ministre de la justice du Moro Naba Bango, empereur de Mossi. Le Nabaska aux fêtes des récoltes 2013 donne l'occasion d'invoquer les mânes des ancêtres, de s'interroger sur les atouts des us et coutumes et de communier avec invités et grand public. Nous nous rendons compte que nous devons nous reposer sur nos traditions. Nous nous rendons compte que ces bases-là qui ont fondé le royaume Mwanga, qui s'est perpétué jusqu'à... En 2013,
donc des millénaires, c'est nos traditions. Voilà, donc nous nous sentons encore plus renforcés dans notre foi en la tradition, dans notre foi en la culture. Sinon, la célébration même de l'événement ou de la fête, bon, c'est toujours la même chose, toujours le même rituel, c'est toujours les mêmes offrandes aux dieux, sauf que souvent, les prières sont beaucoup plus spécifiques. Donc pour cette année, nous avons demandé que les ancêtres puissent encore renforcer notre foi, notre croyance en l'homme, notre acceptation de l'autre, et surtout que nous puissions être des hommes et des femmes de dialogue. Au cours de la manifestation, allégeance, hommage et présence sont faits à l'ordre du jour, debout ou assis. Concert de fusils et de musique, aparté, commérage, retrouvailles et idées de Boustify sont aussi légion au Nabaska, cette fête coutumière en société Mwaga, héritée des Devanciers. Voilà, c'est la fin de votre journal. Toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci. On se retrouve dans quelques semaines pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à bientôt.